Bonsoir à tous, on débute ce JT par le dossier Pogba qui prend de l'ampleur. Même si son agent Mino Raiola a affirmé que rien n'était encore fait, plusieurs médias parlent d'un accord entre toutes les parties. Le montant de l'opération atteindrait 120 millions d'euros et le Français deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire du football. Du côté de l'Atlético Madrid, on recherche toujours un attaquant, mais pour l'instant c'est très compliqué. Une offre a été faite pour Gonzalo Higuain, refusée par Naples. Échec également pour les pistes menant à Alvaro Morata, Divock Origi et Romelu Lukaku. Concernant Diego Costa, un retour chez les Colchoneros était en bonne voie, mais finalement Antonio Conte aurait fait barrage, car il souhaite le conserver à Chelsea. Dernier nom en date, celui de Kevin Gamero, le Français aurait donné son accord au club, mais le Barça est également sur le coup. Pour s'attacher ses services, il faudra débourser pas moins de 40 millions d'euros, somme demandée par le FC Séville. À l'OM, ça bouge dans tous les sens, les Phocéens seraient proches de conclure les dossiers Clinton Ngier et Zinedine Machache. Et ce n'est pas tout, les dirigeants marseillais seraient également intéressés par le frère de Michy Batshuayi, le jeune Aaron Leia Iseka qui évolue à Anderlecht. L'argentin Lucho González lui a proposé ses services au club, mais le coach Passy ne semble pas intéressé. Enfin, Javier Manquillo pourrait être de nouveau prêté une saison supplémentaire. Et c'est officiel, Marseille enregistre un nouveau départ, celui de Brice Djadjedje. Il s'est engagé avec le club de Watford. Le Borussia Dortmund a annoncé de son côté le retour de Mario Götze, un transfert estimé à 25 millions d'euros. Et pour finir, le FC Barcelone dit déjà au revoir à Alen Halilovic. Le jeune milieu croate s'envole pour l'Allemagne et signe à Hambourg contre 5 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.